Bonjour à tous. Bonjour Lucie. Bonjour Aline. Et ben voilà, et le petit rituel du vendredi, on adore. On est de retour. Exactement. Fidèle au poste. Exactement. Toujours avec cette petite ambiance de Noël. Bah oui, parce que là, on est mi-décembre, donc les fêtes approchent. Et qui dit fête, dit repas de fête. Recette de fête. Et voilà. Et donc, on a essayé de chercher une recette originale, sans foie gras, parce que cette année, le foie gras... C'est compliqué. Voilà. On évite. Donc, on est passé plutôt sur du côté poisson. Exactement. Et qui dit poisson de fête, dit... On a trouvé du maquereau. Voilà. On s'est dit, voilà, ça sort. Le saumon, c'est bon. Exactement. Voilà. C'est du vu et revu. Exactement. Et on aime l'originalité et on a cherché l'originalité sur notre super plateforme de recettes. Cookidou. Exactement. Et une petite recette sympa, je te laisse. Oui, nous alors dire donc, le nom de la recette. C'est la panna cotta épinard, lait de coco et maquereau fumé. Donc c'est des saveurs assez originales à marier. On s'est dit pour les fêtes, c'est toujours sympa de tester des nouvelles recettes. Donc exactement. On va la tester avec vous. Oui. Aujourd'hui. Voilà, et grande première, comme quoi avec Thermomix, on n'a pas besoin de tester la recette avant, on y va. On se lance et on voit ensemble ce que ça donne. Exactement. C'est parti. Et c'est parti, je t'en prie. Alors, commencez à cuisiner. Donc, il nous demande de mettre 4 feuilles de gélatine dans de l'eau froide, tout simplement pour les faire ramollir. Et j'y vais. Vous connaissez. Alors, pour ceux qui veulent, il y a aussi la solution de mettre de l'agar-agar, mais ça, voilà. Chacun fait comme il a envie. En fonction de ce qu'il a dans les placards aussi. Exactement. Alors, ensuite. Ça, c'est bon, je la réserve. De côté, on immerge bien les feuilles, c'est parfait. Alors, il nous demande donc de mettre dans notre bol une échalote. Donc là, juste besoin de... On l'a épluché, pas besoin de la couper. Thermomix va faire pour nous. Il s'en gère. Il gère tout seul. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Là, on va tout simplement la mixer. J'en avais envie déjà là. Il se dédouble. Donc, 5 secondes vitesse 5, le classique. 5, 5, 5, 5. Rapidement. Voilà. On va vous montrer le résultat. Donc, toujours. Hop. Toujours un petit voilà, temps, temps de sécurité. Donc voilà, 5 secondes. Donc il a une telle puissance que ça se colle sur les parois. Donc on prend sa spatule Thermomix. Oula, ça y est. Moi aussi, c'est fraîchement évincé tout ça. Donc on repose son bol tout simplement. Suivant, là, il va nous demander donc notre beurre. Hop. Voilà, pour faire rissoler nos petites échalotes. Faire fondre exactement. Hop. Voilà. Suivant. Okay. Il va nous demander donc de mettre nos épinards frais. Donc on a 200 grammes. Hop. Alors les épinards, c'est toujours très volumineux. N'hésitez pas à tasser un petit peu. Voilà, on tasse un petit peu. Dans le bol. Là, de toute façon, ça fond. Et la recette est adaptée par rapport à notre capacité de bol. Vous avez vu que certaines recettes, on peut maintenant adapter les portions. Oui, ça c'est génial. Voilà. On vous fera peut-être un petit tuto d'ailleurs là-dessus. C'est une très bonne idée. Donc, insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Il nous demande donc de mettre notre panier cuisson dessus, tout simplement pour éviter les projections et pour laisser quand même la vapeur passer. Se dégager. Ouais, exactement. Et là, on est parti en cuisson pendant 2 minutes, donc 120 degrés, et il nous dit vitesse 3. Alors, on va vous montrer. Donc, le maquereau qu'on a choisi aujourd'hui, c'est un maquereau filet, tout simplement, qui a déjà du poivre dessus. Donc, dans la recette, on va enlever. Simplement, puisqu'il est déjà mis dessus. Et puis on a mis effectivement dans de petites verrines comme ça, donc dans des grands verres, parce qu'on a décidé de le faire en entrée. Voilà. Donc plutôt généreux. Donc au lieu de faire 8 verrines, on va en faire 6 entrées. Voilà. Et on a mis comme ça au fond, d'accord, de nos verres transparents. Alors moi je vous recommande d'avoir un support transparent parce que c'est déjà une couleur. Et c'est. Voilà, c'est original. On est en train de perdre la vie. Donc voilà, ça va, votre panacotta en fait, ça va vous permettre de voir les différentes niveaux. Et c'est vrai que ça c'est vraiment sympa, la panacotta verte au maquereau. Alors vous savez quoi dans votre recette ? La retrouve à l'île ? J'ai pris un petit verre d'eau. Un petit verre, tu m'as fait peur. Je vais prendre un petit verre. Bon. D'ailleurs, j'ai vu une petite recette de grog, si vous voulez essayer, pour la toux et tout.
ils peuvent nous faire des petits cocktails pour la toute. Voilà. Mais pas bah, d'abord. Bah, c'est l'hiver. voilà. Ton chapeau. Ah, mon chapeau. Je l'en mets. Pendant notre recette, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez la petite touche aperçue. Et n'importe que Thermomix travaille, vous pouvez regarder ce qu'il va nous demander après. Vous cliquez sur aperçu et là, il va vous dire que après cette étape, il va nous demander de remplacer le panier de cuisson par le gobelet doseur pour mixer. Donc voilà, ça c'est sympa parce que bah, lui il travaille et pendant ce temps-là on dit qu'est-ce qu'on peut. Bah, nous on fait les... voilà, et nous on fait n'importe quoi. J'essayais de la déstabiliser, mais je n'y arrive pas. Non. Quand je suis dedans, rien ne m'arrête. Professionnel jusqu'au bout. Voilà. Et puis notre Thermomix travaille pour nous, donc je ne suis pas dépassée. Voilà. Alors du coup. Alors, on va mettre le bonnet correctement, c'est pas grave, il sera comme ça, on s'en fiche. On est foutu, on l'a perdu. Donc remplacer donc, ce qu'on a vu tout à l'heure dans notre petit aperçu. Wow. Donc remplacer notre... Tu veux montrer? Ouais, bah, ah, donc, bah j'étais là, voilà. Bah, oui. Donc là, nos épinards ont fondu. Alors ce qui peut être sympa, oui, c'est de redonner un petit coup de ouais, spatule pour tout remettre. Et surtout, hein, comme toujours, ne jamais, au grand jamais, taper sur votre bol. Si vous voulez taper, vous l'enlevez et vas-y, là, fais-toi plaisir. Là, j'y vais. Ouais. C'est parti. Ensuite. Donc ensuite, il nous demande de nous remettre notre couvercle. Ok. Parce que là, on va mixer puissance 10 hein, pour obtenir. Donc là, on voilà. Oublie pas le gobelet à ce moment-là. C'est ça. Moi, il veut vraiment me maintenir. Il veut pas vraiment pas tenir. Alors là, on est sur 15 secondes vitesse 10. On vous garde en ligne. On n'aura peut-être pas de son. Mais ah, on est toujours là. C'est parti. Vitesse 10, 15 secondes. Donc 10 secondes vitesse 10. Donc 15, vitesse 10. Là, ça nous... On décolle. Alors, suivant. Donc racler, bah oui, là il nous a bien pulvérisé. Là, je pense qu'effectivement. Voilà, et là, c'était bien de voir un peu le avant après pour le coup. Les hop, super. Et ça sent super bon. Ouais, carrément. Donc là, hop, je racle. Alors n'hésitez pas à remettre un petit coup aussi sur le couvercle. Sur le couvercle. La spatule a juste la taille. Voilà. Hop, voilà, vous pouvez pour vraiment ne rien perdre. Sur le côté pour ne rien perdre, effectivement. Hop là. Donc ensuite, il nous demande de mettre les 400 g de lait de coco. Alors. Donc nous, on les a enlevés de la conserve. De la boîte, ouais. N'hésitez pas à bien le mélanger, hein, parce que vous savez qu'il y a toujours des... Vas-y, t'es bien parti, voilà. Puis comme moi en plus, je suis un peu misquée à toi, je risque effectivement d'en mettre partout, tout ça, bon, voilà. Comme on est chez Lucie aujourd'hui, on n'en voudrait pas non plus. Refaire la cuisine, même si ça pourrait être un petit prétexte. Tu veux que je voie à Guigui, parce que... Alors, 100 g de crème liquide. Hop. Et puis attends, je vais racler parce qu'on perd. Oui, parce qu'on ne perd pas, parce que là, je ne suis pas à 100 g. Voilà. C'est bon? On c'est a parfait. 5 grammes. Parfait. Deux pincées de sel. Qui est juste ici. Hop. Ah, le petit sel du nord. Okay. Voilà. Alors après, à discrétion, parce que le poivre est quand même assez voilà. Salé. Donc là, il nous demande de mettre du poivre 5B, mais on ne va pas le mettre puisqu'on a notre macro qui est déjà poivré. Il nous demande de rajouter 50 g de parmesan râpé. Ah, ça va être vraiment sympa. J'aime bien toutes les saveurs, voilà. Carrément. Le mélange est vraiment top. On n'aurait pas forcément pensé lait de coco, parmesan, épinard. Alors là, c'est quelque chose que je n'aurais absolument jamais marié. Mais bon, écoute. Insérer le couvercle et le gobelet d'eau. Le paquet de cuisson, pardon. Hop là. C'est et parti. Donc là, on est parti sur 4 minutes de cuisson. Vitesse 2. Donc voilà, on va monter à 98 degrés, ce qui va nous permettre de commencer à cuire tout doucement nos épinards, les trop. Et après, écoute, pendant ces 4 minutes, on peut regarder un peu la recette avec l'aperçu, effectivement, voilà. C'est une bonne idée. Donc après, il nous demandera de rajouter nos feuilles de gélatine. Très bien. Notre couvercle, de mixer.
5 secondes et ensuite de faire le dressage. Voilà, donc c'est vraiment très très facile, c'est vraiment très original. Moi ce que je vous propose c'est que bah, ils bossent, nous on range notre cuisine, on et se on retrouve arrive. Dans 4 minutes. À tout de suite. Hop. C'est prêt, enfin en tout cas, c'est bientôt prêt. Et je vous assure que ça sent super bon. J'étais en train de dire que franchement c'est pas forcément une recette pour laquelle je me serais vraiment... peut-être arrêter, voilà. Et bah non, je me dis bon, lait de coco, épinard, je vous assure. Et bah voilà, je t'ai fait sortir de mes sentiers battus. Carrément. Et c'est ça aussi qui est sympa, c'est justement ce partage de recettes, la création des recettes qu'on peut trouver sur Cookilo avec des mélanges vraiment originaux. Ouais. Et qui bah, permettent, de, quand on aime recevoir, de donner quelque chose. Et puis, bah, super facile à faire. Hein, parce que là, pour le coup, alors là, vous avez vu qu'il est vraiment en quelques étapes. Mmh. Et en plus, l'avantage, c'est que vous pouvez préparer la veille. Quand vous avez vous bossez, vous avez du monde le lendemain, hop, et bah, votre petite entrée. Vraiment, c'est top. Ajoutez donc les feuilles de gélatine égouttées. Alors, hein, vas-y. Donc, bah, on y va. C'est bon ouais. Ah non, j'en ai encore une. Il y en a 4 au total. Hop. Enlevez bien l'eau hein, quand vous utilisez la gélatine. Hop. Suivant, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Hop. Attends, je te débarrasse là parce que sinon on va y avoir peut-être. Et donc là, 5 secondes vitesse 10. On est parti. Le couvercle, le gobelet doseur. Hein. On vérifie bien pour ne pas refaire la cuisine en verre. Ou peut-être, ça dépend. Ça, c'est à vous de voir. Si elle veut que je l'aide, Miss Catastrophe, je peux peut-être on peut s'arranger. Donc, répartir les 150 g de maquereau donc, qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc là, petite spatule, hein, parce qu'on ne perd rien. Parfait. Et donc là, comme notre gélatine n'a pas figé, vous allez voir que c'est sous forme de liquide pour le moment. C'est pour ça qu'il nous demande de le mettre ensuite 2 heures au frais. Ouais, donc, ça va. La petite astuce pour votre bol, pour qu'il vous paraisse moins lourd, n'hésitez pas à le prendre plus bas. Comme ça, hop, ça va être beaucoup plus facile à manier. En fait. Donc, on remplit tout doucement nos verrines. Là, c'est vraiment, vraiment sympa. Alors, j'essaye de faire des demi-niveaux, mais peut-être que ça va remonter après. Ouais, peut-être. Écoutez, on teste avec vous. On teste, c'est une recette voilà, qu'on a testée. On va remplir tranquillement et proprement ensuite. Voilà. Et puis, bah, comme d'habitude, on vous mettra la photo du résultat. On vous donnera effectivement notre avis sur cette recette. Hop. Donc, et puis, verser 2 heures au frais. Et on se retrouve en photo pour le résultat final. Et nous, on va déguster ça tranquillement ce soir. Voilà. Pour fêter la fin de semaine. Et puis voir si on peut refaire ça pour les fêtes. Peut-être en toute petite quantité. Petite verrine. Ça peut être sympa. En tout cas, c'est super coloré. Ça permet justement de... Parce qu'un joli buffet, c'est aussi plein de couleurs. Exactement. Et là, vraiment, le... Non, le résultat est sympa. Est sympa. Eh bien, écoutez, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernière semaine de la... Notre dernière recette de l'année. On va y arriver. J'en perds mes mots. Il est temps de partir en vacances. Oui, mais voilà, c'est ça. Bon, on est à peine revenus, vous allez dire, vous partez déjà. Mais non, vous inquiétez pas. Deux semaines de pause ensuite. Et on se retrouve. On vous donne une super recette pour le début d'année. Mais je pense que vous l'avez deviné, si vous cherchez bien, ce qui vous attend la première semaine de l'année. Voilà. En tout cas, il y a encore une semaine. On se retrouve vendredi prochain pour une dernière recette de fête. Et bon week-end. À bientôt. Et à la semaine prochaine. Ciao.